תחס כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים. Depuis toujours, les vivants enterrent leurs morts et veillent sur leurs sépultures. Mais comment honorer les 6 millions de victimes de la Shoah, de cette catastrophe qui n'a laissé ni tombe, ni cimetière derrière elle? La commémoration individuelle est une chose. Seulement, aux jeunes générations qui n'ont pas connu la guerre, comment transmettre la singularité de ce génocide? La question se pose de façon cruciale à l'heure où les derniers témoins disparaissent. Ici, à Lyon, dans ce bâtiment qui héberge aujourd'hui un musée et une école, qui pourrait penser qu'il y a 60 ans, la Gestapo arrêtait des femmes et des enfants? Que derrière les murs du fort Montluc, elle les torturait parfois et les enfermait. Qui, en voyant ce paysage bucolique du Bugey, peut imaginer l'arrestation des enfants d'Izieux, déportés et assassinés à des milliers de kilomètres de chez eux parce qu'ils étaient juifs? Quelle empreinte l'histoire a-t-elle donc laissée ici? Et quels indices recèlent ces lieux dits de mémoire? Souvent dans ces lieux, rien ne permet de dire que cet événement s'est passé. Il ne reste plus rien du caractère dramatique de l'événement. Par exemple à Izieux, quand on peut se promener à Izieux et on peut avoir vraiment le sentiment d'une magnifique campagne du Bugey et sans qu'il y ait aucun endroit la marque du drame qui s'est déroulé ici. Donc c'est le savoir que peut nous donner l'histoire qui modifie le regard qu'on a sur le lieu, qui devient un lieu chargé de mémoire et d'histoire.